Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Si t'es obligé. Je ne peux pas déconner. Non, c'est juste ton avis. Un autographe ? Je crois qu'après, il y a une petite session autographe. Mais après, je vais me faire avoir. Posez-le là, il bonjour. Bonjour. Félicitations, un grand plaisir. Je pense que c'est assez. Est-ce que je peux demander aux photographes de prendre leur place et je leur rappellerai aussi de ne pas utiliser leur flash pendant la conférence de presse. Nous allons commencer. S'il vous plaît, regagnez vos places. Merci. Bonjour et bienvenue à la conférence de presse pour Juste la fin du monde en compétition à Cannes en 2016. Je vais vous présenter les membres de l'équipe du film en commençant à l'autre bout de la table. Il s'agit de sa quatrième film comme productrice avec Xavier Dolan. Elle a accompagné pour la première fois sur Tom à la ferme. Elle a aussi soutenu plusieurs des jeunes voix québécoises les plus intéressantes, dont Denis Côté sur le film Boys sans Béatrice et Maxime Giroux sur Félix et Mera. La productrice Nancy Grant. Sa filmographie compte en date d'aujourd'hui précisément 100 films selon IMDb. Elle a remporté 4 Césars et a été nommée pour 5 autres. Elle a été primée au Festival de Venise, Saint-Sébastien et Montréal. Elle a déjà tourné avec Xavier Dolan sur Lawrence Anyways dans le rôle de la mère Nathalie Baye. Primée aux Oscars en 2008 pour sa performance comme Édith Piaf dans Le Môme, et nommée une autre fois, son travail a été couronné par un Golden Globe, un prix BAFTA, un prix du cinéma européen et la trophée Chopard en 2004 comme révélation féminine. Elle a été nommée 4 fois par ses pairs au Screen Actors Guild Award. Elle a récolté 2 Césars et 4 autres mises en nomination. À Cannes, on la veut souvent, dans, entre autres, des films de Jacques Audiard et des frères Dardenne. On vient de l'applaudir dans le film de Nicole Garcia, Mal de Pierre, dans le rôle de Catherine Marion Cotillard. Elle aussi a récolté le trophée Chopard à Cannes en 2009, l'année de sa performance dans L'Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. Nommée 4 fois au César, en 2013, elle remporte le Palme d'Or pour La vie d'Adèle, dans le rôle de Suzanne, la sœur Léa Seydoux. Il a joué dans la troisième partie du monde et maintenant dans Juste la fin du monde. Il joue Louis, l'écrivain qui, après une absence de 12 ans, retourne dans sa famille. Révélé par Mathieu Kassovitz dans la... Non, je saute. En 2003, il vient en compétition à Cannes avec Les Égarés d'André Téchiné. Il était inoubliable comme Hannibal Lecter et a aussi, bien sûr, incarné Yves Saint-Laurent dans le rôle de Louis Gaspard Ulliel. Pardon. Nommé au César 3 fois, on lui a décerné ce prix pour l'ennemi public numéro 1. Ce même rôle lui a aussi valu un Golden Globe et le prix Lumière. Révélé, lui, par Mathieu Kassovitz dans La Haine, il s'est gravé dans nos imaginaires pour ses prestations dans des films comme Sur mes lèvres, Irréversible, Oceans 12 and 13, Eastern Promises and Black Swan, dans le rôle d'Antoine, le frère... Là, j'ai un blanc de mémoire. C'est moi. Vincent Cassel. C'est vous. Bravo. Décidément. Scénariste, producteur, parfois acteur, mais pas ici, réalisateur, monteur...
Et selon son dossier de presse, plus un enfant prodige, il a réalisé son premier film, « J'ai tué ma mère » à l'âge de 19 ans. Depuis, il nous a donné « Les amours imaginaires », »,« Lawrence Anyways »,« Tom à la ferme », un petit clip avec Adele qui a battu tous les records sur Internet, et « Mommy », prix du jury à Cannes en 2014, et « César » pour meilleur film étranger, Xavier Dolan. Il y a évidemment beaucoup d'intérêt, beaucoup ont déjà demandé de poser des questions. On va commencer avec la télé canadienne, québécoise. Bonjour Xavier, Jean-François Bélanger de Radio-Canada, ici. Oui. Vous avez souvent fait l'unanimité. Cette fois-ci, votre film semble avoir divisé les critiques qui ne sont pas tous d'accord, qui ne savent pas toujours quoi penser de votre film. Qu'est-ce que vous pensez de la réception du film? Et puis si, j'aimerais, si c'est possible, j'aimerais que les comédiens aussi parlent de leur expérience de tournage avec, avec Xavier. Oui. Écoutez, on est à Cannes, tous les films divisent. C'est arrivé dans le passé pour Lawrence Anyways, pour Les Amours Imaginaires, pour J'ai tué ma mère aussi. Certains films sont très bien reçus, d'autres le sont un peu moins, mais je suis pas nécessairement inquiet. Il y a des très belles critiques qui sont parues. Vous savez, c'est juste la fin du monde. C'est un film sur le langage, sur la langue aussi de la garce. Et parfois, il y a quelques erreurs de communication. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un film comme celui-ci, il y a des messages qui sont non pas dans la langue, dans les excès ou dans la loquacité, mais dans les silences, dans les regards qu'on vole par-dessus l'épaule. Et peut-être qu'il faut un peu de temps. Pour que le film se pose dans la vie, puis que les gens ne le regardent pas simplement, mais l'entendent aussi. Mais pour répondre à votre question plus directement, je suis très heureux d'être ici avec des gens que j'aime et avec qui on a fait un film en fait dont je suis très fier et qui, selon moi, est mon meilleur. C'est toujours comme ce qu'il faut penser, forcément, parce que comment peut-on avancer, puis comment peut-on chercher à s'améliorer si on n'a pas la conviction des choses qu'on aime et dans lesquelles on investit son énergie et son amour. Donc, voilà. Et pour les comédiens, Marion. Alors, la question pour les comédiens, c'est quoi exactement? C'est pour tout le monde, mais c'est comment travailler avec Xavier? Bah vas-y, Marion. c'est génial. Alors, on va vous dire, c'est exceptionnel. Non, voilà. Moi, ça a été une grande rencontre avec Xavier, humaine et dans le travail. Donc, pour ma part, quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que cette histoire était sublime. J'ai trouvé la langue magnifique. Mais je dois avouer, c'est ce que j'ai dit à Xavier quand je l'ai appelé pour lui dire que j'avais envie de faire son film, que je ne savais pas, en tout cas avec Catherine, je ne savais pas quoi en faire immédiatement. Et en même temps, c'était très excitant de savoir que j'allais pouvoir partir à la recherche de ce personnage avec Xavier. Et le travail sur le plateau, c'est quelque chose de très particulier. Il a vraiment une façon singulière et unique de travailler avec les acteurs. Il est très proche d'eux. Il est sur le plateau avec nous. Il nous donne tout au moment donné où on joue la scène, ce qui donne bien évidemment envie de tout lui donner. Et voilà. Oui, moi je peux dire que c'était assez incroyable de travailler avec Xavier, que c'est un metteur en scène rare. Il a vraiment sa façon à lui de travailler avec les acteurs. Il sait exactement ce qu'il veut, il est très précis. Et étant lui-même un acteur, c'est vrai que la communication est très fluide. Et c'était vraiment incroyable. Et puis c'est vrai qu'on a envie de tout donner à Xavier. Xavier, c'est aussi quelqu'un de très attachant et qu'on aime et on a envie d'être aimé de lui. Donc, je peux juste dire que c'était une expérience géniale.
Et après, pour parler aussi du scénario, le scénario, c'est un scénario que je trouve sublime, qui est sur les non-dits, sur la brutalité qu'on peut ressentir parfois dans sa famille aussi, la difficulté qu'on peut avoir à s'exprimer. Et voilà, je suis donc très fière de ce film et très heureuse. Voilà. Merci Xavier. Et moi, je rejoins ce que disent mes partenaires dans le sens que c'est quelque chose de tout à fait hors norme, que moi je n'avais jamais rencontré auparavant, cette façon de diriger les comédiens. Il y a quelque chose de très interventionniste sur le plateau qui au départ peut être un peu déroutant, mais en fin de compte c'est tout à fait passionnant, c'est-à-dire que Xavier effectivement est sans cesse présent, c'est comme s'il jouait avec nous. Il est aux aguets du moindre frémissement, du moindre frisoli. Il essaye de capter le moindre souffle, la moindre respiration. Et on a l'impression d'avoir une sorte de sismographe du sentiment, de l'émotion. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans cette manière de travailler, cette ultra-précision. Il y a quelque chose de quasi-chirurgical et l'acteur se sent un peu comme sous l'œil d'un microscope. Et du coup, ça nous pousse à adapter notre jeu en fonction et peut-être à aller explorer des choses qu'on n'avait jamais explorées auparavant. Voilà quand même un metteur en scène qui, il y a un an, nous montrait les plans du film dans le décor avec des doublures qui avaient nos costumes alors qu'on avait à peine lu le script. C'est-à-dire que tout était préparé, tout était cadré carrément, la lumière était faite. On n'avait plus en tant qu'acteur qu'à venir sur le plateau et éventuellement dire le texte. Mais alors que tout est tellement cadré, tout est tellement préparé, finalement, il y a beaucoup de liberté sur le plateau, moi j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on a un texte, mais il y a cette sensation de... Vous savez, il tourne. La caméra ne s'arrête pas. C'est des kilomètres de péloche, parce qu'on tourne en pellicule. Et il parle pendant les prises, dit cela, essaye ça, essaye quelque chose. C'est très organique tout ça quand même. Sur le papier, c'est très cadré, mais finalement, sur le plateau, c'est très libre. Et puis il y a ce script finalement où ce sont des gens qui n'arrivent pas à se parler, donc ils parlent de tout sauf de l'essentiel. Donc ce sont des longues scènes où les gens s'envoient des blagues, des vannes, des trucs désagréables, des gens qui ne se disent jamais vraiment ce qu'ils sentent, des gens qui n'arrivent pas à se dire qu'ils s'aiment, qu'ils se manquent. Donc c'est un peu une espèce de logorée permanente comme ça où finalement ce qui est intéressant ce ne sont pas les mots bizarrement alors que c'est une pièce de théâtre, un peu comme chez Pinter peut-être. Où tout d'un coup, on parle de tout sauf de l'essentiel. C'est assez intéressant à jouer puisque c'est les silences qui comptent. Merci. Une question ici, monsieur. Bonjour, Médiomaïs pour Metro News. Une question pour Xavier. Vous qui aimez les mots, la rhétorique, les mots qui soient conséquents ou inconséquents, je me demandais qu'est-ce qui vous a fait à ce point saisi sur les silences de Louis. Qu'est-ce que vous y avez trouvé et comment vous avez adapté votre grammaire cinématographique, puisque vous en avez une, pour signifier justement à la fois les silences et l'incommunicabilité. Donc, je pense que ce qui est le plus prenant dans le texte de Lagarce, je pense que ça recoupe un peu ce que Vincent vient d'expliquer, c'est le fait, c'est la nervosité puis la prolixité de tous les personnages, tous, tout un chacun, qui expriment des choses profondément. Parfois, en fait, souvent superficielle ou nerveuse ou peut-être même inutile et qui parle de tout sauf de ce qu'ils savent être la raison de ou ce qu'ils ressentent ou devinent être la raison de la venue de Louis. Et pour moi, Louis, c'est l'œil qui voit et qui regarde le film. C'est le personnage qui, et ça peut être un rôle extrêmement ingrat, mais je crois que Gaspard le fait avec énormément de générosité puis énormément d'intelligence. Je le pense vraiment. C'est un rôle qui est dur, surtout quand on est entouré de gens qui ont des partitions plus expressives, plus explosives. Mais c'est quelqu'un qui réagit à la nervosité, à l'ambiance, à l'atmosphère hystérique qui l'entoure. Et à travers lui, on s'évade parfois, dans un moment, avec le personnage de Marion, où à travers des regards, à travers des soupirs, ils se devinent l'un l'autre et elles devinent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai voulu exprimer, puis c'est comment j'en interprète. Elles devinent son secret. Quand sa sœur l'entretient
de ses nombreuses activités, il s'évade dans un monde, regarde la décoration de sa chambre, pense à un souvenir. Louis, en fait, est en escapade perpétuelle dans un univers, dans une maison où personne ne l'écoute, où tout le monde l'interrompt et l'invective, lui fait des reproches, peut-être parce qu'ils ont trop peur de le laisser parler, parce qu'ils ressentent qu'il s'apprête à dire quelque chose de grave. Pour moi, c'était ce qui est le plus attachant pour moi dans la attachant ou enivrant ou intoxiquant dans la pièce de Lagarce, c'est l'aspect peut-être désagréable des personnages, peut-être rédhibitoire, mais profondément humain. Les gens crient dans la vie, les gens pleurent, les gens explosent, les gens mentent, les gens se détournent de la vérité, les gens utilisent toutes sortes de détours pour échapper aux révélations de leurs proches. Et dans ces imperfections-là, moi, j'ai vu une occasion de travailler avec des acteurs que j'admire et pour leur demander d'exprimer ces imperfections-là humaines. Et pour Louis, de les ressentir, de les accepter et de se retirer voilà, à la fin. Merci. Monsieur. Pierre Pageau, Montréal, Québec, Canada. J'avais une question pour André Turpin, qui n'est pas présent, parce que je suis emballé du travail qu'il a fait, d'éclairage. Louis, moitié lumière, moitié... la couleur, les teintes, c'est bon. Il y a un travail de collaboration artistique assez exceptionnel. Parenthèse, tout le travail des comédiens aussi est extraordinaire, comme avec Suzanne Clément. Donc, comment tu travailles, comment tu collabores avec André pour obtenir ces merveilleux résultats artistiques? Vous parlez du chef op. Oui. Hein? Chef opérateur. Oui. Oui. Ça, le mot? Ben, merci, M. Dolan. Je vais essayer de répondre. Je ne sais pas ce qu'André aurait dit, mais on est assez proches, puis on travaille ensemble depuis un moment maintenant. Puis c'est vrai que ce qui est formidable avec André, c'est que là où moi j'ai des faiblesses, lui a ses forces, et puis là où lui se pose parfois des questions, je pense, on est un peu complémentaires, on se complète. On est amis aussi, il y a une amitié, il y a une bienveillance aussi, il y a une façon aussi de tourner en dérision des idées un peu plus idiotes que je peux avoir, ou moi je peux parfois aussi me permettre de lui dire « Non, je n'aime pas cet éclairage ». On travaille, il y a une grande proximité entre lui et moi. Et puis aussi, il y a une préparation où on recherche ensemble les teintes, les couleurs. Les gens disent les couleurs. Le film est brun et bleu. Entièrement, toutes les scènes, je l'ai étalonné, je l'ai fait au complet. Je peux vous le dire. Mais il y a des flashbacks, dont un qui est très, très, très coloré, qui appartient au passé, qui est peut-être... plus ou moins original comme idée, mais oui, parce que le souvenir du passé est un peu plus chaud, un peu plus chaleureux. Mais en gros, le film on découvre toujours dans les deux, trois premiers jours avec André, et parfois on s'en étonne, la direction que le film prend par lui-même. Comme par exemple, on avait préparé ensemble énormément... Moi, je prépare toujours beaucoup d'images. Il y a une recherche, il y a des livres qui sont préparés, des documents où on voit visuellement à quoi les personnages vont ressembler, à quoi le film va ressembler. Mais quand le film a commencé, très rapidement, c'était une évidence qu'il fallait être très près des visages, puis des personnages. Que la distance, ou là même on devait tourner le film en 2,35. Puis finalement, au montage, c'était très froid, très... très inaccessible, très... C'est comme si on avait voulu dire « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est vraiment un film. » Et ce n'était pas nécessaire, finalement. Donc, on a ouvert le film, plus large, pour se rapprocher des visages, puis des comédiens, qui, eux, se donnaient généreusement, puis on avait l'air de les castrer. Donc, c'est des décisions comme ça qu'on peut prendre avec André, justement, ensemble. Et puis, bon, quand j'ai commencé le film, je pensais qu'il allait avoir des plans larges, toutes sortes de... Puis, finalement, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était ici. Selon moi, selon lui et moi. Voilà. Donc, il y a une part de préparation, puis il y a une part aussi d'improvisation, ce que Marcel Duchamp appelle le coefficient d'art, je pense, qui est la toute petite marge où on prend des décisions complètement imprévisibles et parfois irréfléchies, mais qui sont
la marge de, d'improvisation qu'on se laisse en fait sur les tournages. Les acteurs l'ont, moi je l'ai aussi, c'est comme ça. Merci monsieur. Bonjour, Hugues Daillé, RTBF Télévision Belge. J'aimerais rebondir justement sur ce choix de composer le film à 90% de gros plans. Vous dites quelque part, je crois avoir bien entendu en disant que les acteurs bougeaient beaucoup et que c'est vous qui finalement vous intéressiez essentiellement à leur visage. Dans quelle mesure, comment trouver la rythmique du film et justement éviter le danger de la monotonie si vous étiez en permanence avec ces gros plans, ces champs contre champs? Et est-ce pour ça aussi que vous avez imaginé les, entre guillemets, les intermèdes musicaux comme, je ne sais pas, comme entr'acte en quelque sorte dans les rêveries du personnage principal? Donc ces entr'actes musicales, il y en a deux. Chacune d'environ une minute et demie sur un film de 1h37 minutes. Non, c'était pas des moments pour nous. Comme j'ai jamais eu peur de la monotonie du film, j'ai jamais voulu y échapper à travers des scènes ou des artifices ou des outillages qui nous permettent de sortir du film. Non, c'était plus pour encore une fois s'évader dans la mémoire de Louis, dans son corps, dans son passé. Puis. Franchement, par rapport à la monotonie ou par rapport au danger du gros plan, moi, j'ai senti le désir et la nécessité de me rapprocher de Nathalie, Marion, Léa, Vincent, Gaspard, parce que j'ai senti à un moment donné une distance qui n'était pas nécessaire. J'ai senti qu'il y avait tellement de choses, de messages, de silence, de tension ici, que c'était presque un affront, en fait, de s'en priver. J'ai pensé que c'était une histoire qui passait par l'humain, qui passait par les... On le dit souvent, mais c'est vrai en même temps, surtout par contraste, par opposition au fait que ce soit tellement loquace, par les silences, puis par les regards, par les qui regarde qui regarde l'autre, pendant que l'autre regarde l'un. Pour moi, c'était essentiel de capter, d'avoir des gros plans. Et puis à un moment donné, c'est pas devenu essentiel, c'est devenu presque automatique. C'était presque nécessaire, je pense, pour justement éclairer tout ce qui n'est pas dit à travers la parole, en fait, tous ces noms. Enfin, c'est-à-dire que Xavier, je trouve, a réussi à exprimer tout ce qui n'est pas dit, en fait, et je pense que c'était la distance la plus juste pour le faire. Et moi, je trouve que ça ajoute aussi à ce côté asphyxiant qui est ce huis clos. C'est vrai que dans ce film, il marche mon micro. C'est vrai que dans ce film, l'important, c'est ce qui n'est pas dit. C'est l'essentiel du film. Merci. Une question tout à fait sur le côté, à droite. Oui, bonjour, Jean-Marc Le Squarnec, La Dépêche du Midi à Toulouse, France. J'aimerais revenir sur deux points que vous avez déjà abordés, mais je pense que ça mérite encore plus de précision. Alors, concernant votre manière de filmer les visages, notamment deux visages, les visages de tous les comédiens, mais notamment ceux de Marion Cotillard et de Gaspard Huliel, il y a quelque chose d'absolument saisissant et la prestation notamment de Gaspard est inouïe. Voilà, petit compliment pour Gaspard. Donc, est-ce que les comédiens, notamment vous deux, mais tous peuvent répondre s'ils le souhaitent, est-ce que vous avez perçu ça comme parfois une intrusion, parce qu'il y a une telle proximité qui saisit, comme le disait Gaspard, le moindre sillement du visage, le moindre mouvement de la bouche, etc. Est-ce que pour les comédiens, c'est perturbant d'abord? Et est-ce que vous pourriez nous dire aussi sur le choix des musiques, si c'est très en amont que vous les avez choisies, et pourquoi les deux, trois musiques, pourquoi ces chansons-là, en dehors de la partition de Gabriel Yared, qui est excellente? Merci. Ok. Moi, je sais pas si c'est plus une particularité, c'est que je sais jamais vraiment comment la caméra me filme. Du coup, bon après, si elle est proche, j'imagine bien que c'est près. Et si elle est loin, j'imagine bien que c'est loin. Mais j'ai pas de notion, disons, de. Il y a des acteurs qui savent exactement comment ils sont filmés, sous quel angle, et là encore, même avec cette caméra très proche, il y a une espèce
dans la manière que Xavier a de travailler et avec toute son équipe, il y a une espèce de respiration qui se crée entre nous tous qui fait qu'on sent que... c'est très, très compliqué à expliquer, en fait. Non, mais... au départ, ça, pour moi, c'était assez intimidant, effectivement, de travailler, comme je disais tout à l'heure, avec l'impression d'être vraiment filmé avec un microscope, où on a l'impression que tout ce qu'on va faire va être amplifié. Et comme disait Marion, il y a une sorte d'évidence qui se crée au fur et à mesure et on oublie totalement ce dispositif. Et puis en plus, Xavier brouille les pistes parce que, comme on disait, il est très présent. Il nous fait répéter maintes et maintes fois les choses. Et c'est la première fois que je voyais un cinéaste sur un plateau qui attrape le Steadicammer par la ceinture et qui va le trimballer d'un côté du plateau à l'autre. Donc il y a quelque chose de totalement physique dans cette expérience qui d'un coup nous étourdit complètement. Mais c'est-à-dire que c'est tellement proche de nous quelque part que... c'est le meilleur moyen de l'oublier quand on est tellement proche de quelque chose. Ça fait presque partie de nous et la caméra, comme Xavier, faisait vraiment partie du groupe, faisait vraiment... on faisait un seul corps à plusieurs têtes quelque part. Et si je puis me permettre, en plus de... Vous êtes où, monsieur? Juste pour vous parler d'une relation particulière entre deux personnages. La raison de cette proximité entre eux, puis du fait que leur visage soit filmé différemment, c'est que à partir de très tôt dans le film, quand tout le monde se réunit dans le salon, puis que tout le monde commence à parler, le personnage de Catherine devient la gardienne du secret de Louis. Et c'est la seule, en fait, qui, pour ainsi dire, le voit pour ce qu'il est et l'entend. C'est pour ça que toutes les voix des autres deviennent une abstraction pendant qu'ils se regardent, parce que... Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner, en fait, ce moment, parce que c'était très intéressant avec Marion et Gaspard, précisément. Ça a été un court instant, ça a été peut-être 2 heures de tout le tournage, mais où on a pu construire, en fait, battement de cils par battement de cils, et ils l'ont fait, et moi, je le vois. Mais évidemment, je l'ai écrit, mais je le vois... comment une personne regarde quelqu'un et juste dans le regard réalise, comprend, réfléchit, confirme. C'était très intéressant de le faire. Et à partir de cette scène, c'est sûr que comme les autres personnages sont calfeutrés dans l'inattention, puis dans un peu l'égoïsme ou dans le côté un peu plus quotidien de leur retrouvaille, ou tout en le sachant, d'essayer de se détourner des choses essentielles, le secret continue. Comme un cœur qui bat, le secret continue de siffler. Voilà. Pour qui sont ces secrets qui sifflent? Et la musique. Et la musique, ouais, c'est parce qu'il y avait 5 questions dans une... C'est quoi la question de la musique, pardon? Si tu as choisi en amont ou non en amont. Ok. Oui, quand même en amont. Il y en a beaucoup moins que dans Mommy, parce qu'il y a moins de place dans un film beaucoup plus court, beaucoup plus verbeux. Beaucoup plus tendu, je pense. Il y avait la chanson de Camille qui s'appelle Home is where it hurts, qui fait l'ouverture. Et puis après, toutes les chansons sont des chansons qui jouent dans la vie des personnages. Et c'est ce que j'aime de plus en plus, en fait, de l'usage de la musique, c'est que l'usage soit diégétique, puis qu'on ne nous impose pas une chanson par-dessus le film, mais bien dans la vie des personnages, qui jouent à la radio, qui jouent, quand Gaspard replonge dans ses souvenirs pour se remémorer une relation sexuelle hâtive, puis une romance passée. Si on écoute bien, en fait, la chanson qui joue dans la cour arrière de la maison d'à côté. Il y a une jeune fille qui est sur la trampoline, qui saute comme ça, puis c'est une chanson qui joue dans la vie. C'est pas une chanson qui joue dans... Voilà. Donc les chansons ont été choisies en amont, oui. Je sais pas s'il y en a vraiment qui sont ajoutées au montage. Et puis la collaboration avec Gabriel Yared a été... extrêmement approfondissante pour moi, parce que j'ai énormément d'admiration pour lui. Énormément. Merci. Une question derrière, oui.
Bonjour, Frédéric Rougeau, lemaccinéma.fr. Une question pour Xavier. Votre cinéma était jusqu'à présent ultra clinquant, multi-référencé, et vous preniez le temps de raconter ce que vous aviez envie de raconter, et on vous a reproché parfois un certain trop-plein. Ici, il semble que vous ayez choisi une direction plus simplifiée, que vous avez cherché à vous recentrer. Est-ce que c'était un défi pour vous ? Et est-ce que c'est pour ça que vous dites que, et vous pensez que ce film-là est le meilleur ? Est-ce que c'était un défi ok. est-ce que c'était un défi ? C'était une réalité, en fait, du scénario. C'est ce que le scénario commandait, c'est ce que le scénario appelait. Malgré toutes les extravagances, puisque les choses, remarquent, a priori, souvent justement les extravagances ou les fulgurances ou les ce qui à chaque film, j'ai toujours essayé au mieux de ma capacité de réaliser le film que je pensais être le bon pour le scénario. De quoi le film a-t-il besoin ? De quoi le scénario a-t-il besoin ? Est-ce qu'on nuit ici au personnage ? Est-ce qu'on puis plus on avance, plus cette réflexion-là s'approfondit ? Plus on se pose de questions, pas des questions de comment je pourrais me faire remarquer ou comment je pourrais me démarquer, mais comment le film pourrait juste marcher à tel ou tel moment, que telle ou telle chose se produise pour que l'histoire, l'intrigue progresse. Puis la concentration devient de plus en plus... moi, en tout cas, tout mon intérêt va vers le personnage, vers l'acteur, ça a toujours été le cas, mais vers aussi la fluidité du film, le crescendo, la progression, le fait qu'on moi, je viens d'un environnement culturel, je le répète souvent, très populaire. J'ai une culture assez limitée en termes de cinéma, plus exigeant. Et donc, plus j'avance, plus je fais un peu les films que moi, j'aimerais voir au cinéma. J'essaie de raconter des histoires. Pour moi... Ce que j'ai essayé de faire, en fait, avec Juste la fin du monde, puis la raison pour laquelle je dis que c'est le film que je préfère, c'est que je pense que c'est celui qui est le plus complet. Il y a des films qui sont plus choquants, qui sont plus bouleversants, mais qui sont plus imparfaits, qui sont plus inégaux, qui sont plus longs, qui sont plus courts. Et puis, il y en a qui, quand on est en salle de montage, quand on les étalonne, quand on en fait la colorisation, là, on les regarde, puis on les trouve plus entiers. On trouve tous les comédiens également... touchant puis investi. On trouve la musique d'un compositeur abouti. C'est pour ça que je préfère Juste la fin du monde. Je le préfère pas pour des raisons sentimentales. Je le préfère parce que je connais les films que j'ai faits, puis je connais les erreurs que j'ai faites. Et ce qui est intéressant à chaque film, c'est d'essayer de ne pas les reproduire. Bon, on en fait toujours des nouvelles. C'est ce qui est intéressant. Mais forcément. Et puis vous m'aviez demandé aussi... Vous avez dit le défi de ça, et c'était quoi après? Vous êtes où, monsieur? C'était quoi la dernière moitié de la question? Est-ce que c'était un défi? Oui, ça, et est-ce que c'est pour ça que vous considérez que c'est le meilleur, mais vous venez de répondre. Ah, bon, j'ai répondu. Merci. Merci à vous. Nancy Grant, un jour, un matin, un de vos réalisateurs arrive au bureau et vous exprime le vœu de travailler avec les 5 meilleurs comédiens français, de les faire venir à Montréal pour tourner. Comment est-ce que vous réagissez et surtout, comment est-ce que vous arrivez à exaucer ce vœu? Comment est-ce que je réagis? Je réagis toujours très bien à tous les défis que Xavier me lance. C'est d'ailleurs ce que, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit « donne-moi des défis ». Depuis, c'est ce qu'il fait. Ensuite, je pense que j'étais assez... optimiste que Xavier allait réussir à s'entourer de ses comédiens, non pas parce que j'avais le pouvoir de les lui donner, mais bien parce que je me doutais que ses comédiens auraient envie de travailler avec lui, ayant vu ce qu'il a réussi à faire avec d'autres comédiens, avec ses précédents films. Donc, j'ai en réalité eu très peu de choses à faire, moi, pour ça. Merci. Merci tout de même de vous intéresser à moi. D'ailleurs.
Rodrigo Fonseca from TV Globo Brasil. Sorry for asking in English. Question to Mr. Dolan. Question pour Monsieur Dolan. C'est un film merveilleux. Félicitations. Je voudrais vous faire que vous partagiez avec nous la façon dont vous montez le film. Et votre film a fait penser à Qui a peur de Virginia Woolf. Est-ce une référence pour vous? J'adore Qui a peur de Virginia Woolf, merci, mais ça n'a pas été une référence. Je comprends que vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de sortie de cet espace où se trouvent les acteurs. Ils sont coincés dans cet espace, mais la pièce, lorsque vous la lisez, a une atmosphère dans laquelle on suffoque. Tout est bien noir sur blanc. Enfin, j'ai déjà oublié le début de votre question. Je suis un petit peu tendu. Vous pouvez répéter le début de votre question? Désolé. Ah oui, le montage. Le montage. Le montage du film que m'aide à écrire le projet suivant. Car en salle de montage, on peut réaliser les erreurs que l'on a commises, non pas dans son tournage, mais dans le scénario. Très souvent, on tourne et on se dit, on va arranger les choses au montage. Et le film est réinventé au montage, mais ce n'est pas vraiment exact. On peut améliorer, mais on ne peut pas réinventer le film au montage. Dans le passé, je me disais que j'étais fact, comme on dit en anglais, que je me suis fait avoir, disons. Dans le passé, je me suis fait avoir par le fait que j'avais tourné de telle ou telle façon et j'ai eu des difficultés ensuite au montage. Pour moi, c'est le quatrième acte qui est un petit peu difficile dans ce film. J'aime qu'on prenne les choses dans l'ordre, acte 1, acte 2, 3, etc. Je pense que le montage de Mommy m'a aidé à écrire juste la fin du monde. Et on arrive au montage, dans la salle de montage, et ça s'est avéré extrêmement, extrêmement difficile de faire le montage, parce qu'il y a eu tellement de scènes de tournée, ça a pris tellement de temps, les acteurs se sont avérés tellement généreux, qu'il m'a fallu partir à la chasse de chaque petit détail. J'ai essayé de retrouver chaque petit moment et les mettre ensemble, les assembler pour créer une scène. Et ça, c'est difficile lorsque quelqu'un a le regard dans une direction, quelqu'un d'autre dans l'autre direction. C'est un petit peu difficile, un peu subtil. Le montage a été dur parce que j'ai souhaité montrer le talent et l'inspiration des acteurs. Mais en fait, je n'ai rien retiré de ce que l'on a tourné. Le script était extrêmement bref, 80 pages. Et au montage, j'ai eu du mal à retrouver ce que je cherchais. Mais les scènes se sont suivies les unes après les autres et je n'ai pas eu à réorganiser l'ensemble. Ce n'était pas nécessaire de tout refaire ou réorganiser. J'ai eu l'impression que l'histoire était assez brève et que chaque scène avait une raison d'exister. Beaucoup de gens sont venus à la salle de montage. Je voudrais ajouter quelque chose. Ça a été difficile pour toi de faire le montage de ce film, parce que Xavier, en salle de montage, aime bien voir les scènes rapidement, essayer de les montrer, il est plein de passion.
Il veut avancer dans le montage, mais dans ce film, tout est tellement dense. Il y a tellement de choses à faire. Il y a très peu de scènes, mais elles sont longues. On a beaucoup tourné, énormément tourné. Donc Xavier a dû essayer de puiser dans la performance des acteurs pour montrer le film tel qu'il est maintenant. Les scènes sont plutôt longues, mais elles changent toutes au fil de l'évolution du film. On change de point de vue. Il y a eu énormément de tournage. Et parfois, la scène avec Nathalie et Gaspard dans l'abri de jardin, eh bien, cette scène-là a pu sembler longue, mais elle évolue, cette scène, par des moyens très simples. Les personnages regardent par la fenêtre. Nathalie se déplace un peu à l'intérieur de ce grand abri de jardin. Elle va vers une autre paroi de l'abri. Ensuite, elle se dirige vers la porte. Donc, ces trois positionnements durent 13 minutes, car la scène dure 13 minutes. Et il a fallu beaucoup travailler pour assembler chaque détail de cette scène. Dans ce film, il y a peut-être 12 scènes seulement, ou 13. Voilà, c'était difficile. On n'a pas encore vraiment parlé des dialogues du film. Est-ce que ce sont des dialogues plus difficiles à dire pour les comédiens que des phrases où on se développe, où une intervention va durer plusieurs secondes? Je suis dispensé de répondre à cette question. Alors, c'est donc l'adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce. Et évidemment, Xavier a retravaillé le texte pour l'adapter au cinéma. Et je trouve que parce que la langue de Lagarce est très particulière, il a réussi à transcrire cette langue très littéraire, très théâtrale, je trouve, d'une façon assez remarquable. Et encore une fois, non, c'était vraiment, le texte était très très bien écrit. J'ai pas eu de difficultés avec ce texte-là. Mais encore une fois, c'est vraiment un film. Le texte, en fait, n'exprime pas grand-chose. C'est pas le texte qui importe dans ce film. C'est ce qui n'est pas dit. Donc voilà. Après, c'est vrai que mon personnage parle beaucoup. Il est très en colère. Mais non, c'était un exercice intéressant. Moi, j'ai beaucoup galéré avec le texte. Parce que Catherine, elle est écrite. C'est marrant parce qu'elle dit pas grand-chose, mais quand elle se met à parler, c'est presque une espèce de cascade d'un peu tout et n'importe quoi. Elle s'exprime pas très bien. C'est très dur à apprendre parce que avec toutes les répétitions, les retours en arrière, et en même temps, c'est ce qui est intéressant avec les grands auteurs, c'est que il faut juste trouver le déclic du langage, et qui effectivement a pas été évident pour moi dès le départ, mais en tout cas dans la partition de Catherine, il y a tellement de phrases avortées, de redites, de butées, que c'est comme si elle donnait un peu une sonorité au silence qui sont si importants dans ce film-là. Et du coup, à partir du moment donné où je me suis rendu compte que sa parole était presque un silence sonore, ça a été plus simple, mais en tout cas, c'est comme si j'avais trouvé une clé pour dire ce texte qui me faisait très très peur au début. J'ai eu beaucoup de plaisir à dire ces dialogues.
C'est des dialogues... enfin, cette mère est... est très volubile, parle beaucoup. Il y a aussi des non-dits. Et, enfin, elle fournit. Hein, elle, on peut dire qu'elle parle. Elle bouge. Elle, et j'ai eu du plaisir à lire ces dialogues. C'est des... Comme dit Marion, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a compris son personnage et une fois qu'on a compris sa musique... En tout cas, c'est des dialogues qui ne m'ont jamais... je ne sais même pas si un jour j'ai pu demander à Xavier de changer un mot ou un truc comme ça. C'était c'est totalement cohérent avec le personnage. Et, non, j'ai aimé les jouer et les dire. Merci. Vincent, quelque chose à ajouter ? Non, je n'ai pas trouvé ça très compliqué. En fait, c'était plutôt, c'est un texte assez parlé. Xavier n'est pas non plus accroché à la virgule près. L'idée, c'était s'approprier le truc. C'est pas, j'ai pas eu la sensation de dire un texte de théâtre, hein, du tout, à aucun moment. Je trouve que le texte, au contraire, c'est assez quotidien, assez parlé. Et le fait d'avoir eu cette liberté faisait que j'ai même pas eu la sensation de l'apprendre vraiment à aucun moment, pour être honnête. J'espère que ça se voit pas. Une question à l'arrière de la salle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mathieu Champeau, AFP. Une question pour vous, Xavier. En fait, je voulais revenir sur le fait que donc, le film est une adaptation d'une pièce de Jean-Luc Lagarce et mettre en parallèle le cadrage. Donc, comme on l'a dit plusieurs fois, profusion de plans très serrés sur le visage des acteurs. Et je voulais savoir, en fait, si vous, c'est un... Selon moi, c'est un contre-pied par rapport en fait, à la technique narrative du théâtre. On est plutôt, on va dire, vulgariser un peu hein, sur un plan large. Est-ce que vous avez voulu prendre le théâtre en, fait, en contre-pied ? Et qu'est-ce que vous avez voulu apporter en filmant cette pièce ? Est-ce que vous avez voulu apporter quelque chose que la pièce ne pouvait peut-être pas apporter ? Merci. Ce qui est intéressant quand on partage un film, c'est que les journalistes nous suggèrent toujours des choses qui sont plus intéressantes que ce qu'on avait imaginé. J'ai jamais pensé à ça. Je me suis jamais dit, oh, en se rapprochant, on s'éloigne de la scène. Parce que, comme je vous... non, je ne sais pas si je voulais dire mais ici, mais on en a parlé. Le théâtre, en fait, franchement, dans l'idée de l'exercice, ne m'a jamais fait peur. Je m'en fous qu'on ressente le... On dit souvent... ah, c'était bien, on ne sentait pas du tout la pièce, ou on ne sentait pas du tout le théâtre. Mais moi, j'aime le théâtre. Je pense que c'est très clair aussi dans les films que je fais depuis le début. J'aime les films qui sont expressifs, j'aime les films qui sont plus latins, qui sont plus intenses. Certains font des cinémas plus posés, puis des cinémas ou un cinéma. Non, ce n'était pas un contre-pied au théâtre que de se rapprocher comme ça, mais comme je l'ai expliqué plus tôt, en fait, c'était que j'ai ressenti que c'était une nécessité pour aller au plus près de l'émotion puis du détail en se rapprochant des acteurs. Parce que l'idée, en fait, avec le film, pour moi, c'était que sans langue, évidemment, l'idée de travailler avec tous les acteurs à cette table, l'idée de faire un nouveau film, aussi l'urgence de vouloir créer un nouveau film, de vouloir dire une nouvelle histoire, la beauté de l'histoire de Lagarce. Évidemment, tout me donnait envie de faire ce film. Mais pour moi, c'est la langue, en fait, de Lagarce que je trouve tout à fait exceptionnelle, tout à fait unique et singulière, et qui fait en sorte que son patrimoine, puis c'est ce qui fait en sorte qu'il a un héritage, en fait, culturel aujourd'hui, qu'il ait joué, qu'il est l'auteur français le plus joué dans le monde. Nancy, peux-tu confirmer? Non. Non. Mais je pense qu'il est l'auteur contemporain le plus français le plus joué dans le monde. Moins célébré en France ou célébré tardivement en France, mais que c'est l'auteur le plus joué. Et je trouve sa langue, les répétitions, les retours en arrière, des personnages qui corrigent leur grammaire, des personnages qui font des erreurs de langage, des personnages qui se dédisent, qui se contredisent, pour moi, les retours en avant, en arrière, toutes ces imperfections-là sont exactement ce qui était
ce qui, dans le texte de Lagarce, me plaisait. Et Vincent a raison quand il dit que c'est profondément, au fond, au quotidien, on trouve que c'est très particulier. Et c'est vrai que la langue de Lagarce, est, sur papier, plus, on l'a adouci un peu, mais en conservant l'esprit. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très quotidien, puis très humain là-dedans. Oui, c'était chirurgical. Oui, il y avait des virgules, il y avait des pauses. C'était peut-être parfois plus écrit, parfois plus lourd, plus verbeux. Mais pour moi, c'est ça aussi, la vie. Je ressens qu'on a capturé cette vie-là, en fait, avec les comédiens, puis avec la façon dont ils ont interprété ces dialogues, pour faire aussi un crochet avec la question d'avant. Mais sinon, dans la mise en scène, il n'y avait pas le désir de s'éloigner du théâtre, il n'y avait pas le désir de prendre des précautions contre le théâtre. Ça ne m'a jamais fait peur, en fait. J'étais rassuré, on était avec les acteurs, il y avait une proximité, on était comme une famille, on était dans un espace qui n'était pas extrêmement grand. On circulait, on bougeait. C'était un plaisir, en fait, d'adapter Lagarce. Parce que c'était aussi un peu le but de tout l'exercice. C'était qu'on faisait collectivement ensemble, un laboratoire ensemble, naturel, évidemment aussi détendu, puis avec beaucoup de liberté, mais c'était ce qui donnait pour moi ce projet-là de l'intérêt aussi, entre autres choses, comme j'ai dit. La vie, c'est aussi des horaires, malheureusement. Il ne nous reste plus de temps. Merci beaucoup à l'équipe de très bien nous joindre. Merci pour ce magnifique film.